En Indonésie maintenant, une explosion dans une usine de traitement de nickel a fait au moins 13 morts et 38 blessés. La moitié des blessés sont dans un état grave. L'accident s'est produit en début de journée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion a eu lieu pendant des travaux de réparation d'un fourneau. Un liquide inflammable s'est embrasé et l'incendie s'est propagé à des réservoirs d'oxygène qui ont explosé. L'incendie a été éteint quelques heures plus tard dans la matinée.